Une terrible menace plane sur le royaume fantastique des mers. Le tourbillon noir. Seul Ran, le jeune prince d'Octopon, est capable de s'y opposer s'il trouve les 13 pierres de la loi. Pour l'aider dans sa quête, une équipe de joyeux forbans, aussi fidèles que courageux. Face à lui, Bloss, un pirate redoutable qui ne reculera devant rien pour s'emparer des 13 pierres de la loi. Laissez-vous emporter par la grande aventure du tourbillon noir. Enrhumé, les canaux de Bloss. Nidler, réveille-toi et prépare-toi à livrer bataille. Mais quel rêve affreusement réaliste! Je pourrais presque jurer que j'étais réveillé. Visé en plein dans le mille, alors maintenant, achève-les et qu'on n'en parle plus! Ioz! Tout là! Qu'est-ce qui se. Oh non. Vite, vite, prends la barre! Le diable les emporte! Mais comment ont-ils pu s'approcher si près de nous? Si jamais je les tiens entre mes mains, c'est moi qui vais les catapulter dans les ténèbres. Notre grand expert en navigation croyait qu'il allait pouvoir les distancer très facilement, en se fiant simplement à sa bonne étoile. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec toute une flottille de pirates sur le dos. Parce que tu aurais sans doute fait mieux, c'est ça? Oh, grand! Ça suffit comme ça, vous deux. Gardez vos forces pour les requins d'eau trouble qui nous poursuivent. Mais pour une fois, tu as raison, Ran. Par toutes les arêtes qui me restent en travers de la gorge, ils vont regretter le jour qui les a vus naître. Ils nous cherchent. Eh bien, ils vont nous trouver. Par tout un corps de brume! J'espère que ça vous rafraîchira la cervelle. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Peut-il m'expliquer la raison de ce vacarme? Regarde ces espèces de rapaces et ces noyés, Ran. Enfin,